Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session, cette nouvelle session de Destiny. Dans la session précédente, en plus d'avancer dans l'histoire et d'avoir des choses là qu'on nous dit oui, attention, c'est extraordinaire, les rois corrompus, tout ça, ce qui ne nous intéresse pas pour le moment. Bien entendu, le roi des corrompus, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Normalement, parce que après, c'est vrai que si c'est niveau 25, ce truc-là, ça va être dommage de le faire trop tard. On fera plus tard, on verra. En tout cas, pas dans cette session, pas maintenant, pas tout de suite. En plus d'avoir avancé dans l'histoire sur différentes planètes, nous avons eu l'occasion de faire et terminer l'assaut des fosses de l'invocation. Cette fois, ça aurait été la bonne. On se souvient d'ailleurs qu'on avait été aidé par deux personnes à la toute fin. C'était du plot twist sur du plot twist avec un peu de crème de plot twist par-dessus encore. C'est extraordinaire. Ici, on a quoi? C'est niveau 14. Et c'est le seul que j'ai qui est présent d'assaut que j'ai pas encore fait. Ah non, ici j'en ai un aussi, niveau 14. J'en ai deux niveau 14. Cette musique. Et si on a un raid? Très bien. On vérifie un petit peu ce qu'on a. Et là, on a deux petites quêtes aussi. C'est la fête. Alors, dans ce qu'on va faire, là maintenant tout de suite, ah oui, c'est vrai que j'avais une quête d'histoire qui me disait de faire des patrouilles. C'était assez incroyable. On peut se lancer dans un assaut pour voir s'il y aura des gens. J'ai peur qu'on retombe dans la même situation que celle des fosses de l'invocation. Et cette session va être un peu plus courte que celle d'habitude. Donc, pour cette session, on ne va pas tenter le diable avec les assauts. On verra ça plus tard. En attendant, on va faire de la patrouille sur Vénus. Pourquoi pas? Petite patrouille, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin d'en faire autant que ce qu'on a fait lorsqu'on a découvert ce qu'étaient les patrouilles. Oh, cette musique! Oh, incroyable. Très relaxante. Parce que la dernière fois, on se souvient, quand on a fait les patrouilles, ça a pris tout un épisode parce que... bon, on savait pas trop ce que c'était. Donc on a continué d'en faire ad vitam aeternam. Mais maintenant, ça devrait aller. On va pas nous demander d'en faire non plus 10 ans, j'espère. Où allons-nous ? Aux ruines de l'éveil ? À l'académie ? C'est à vous de choisir, gardien. Oui, bah mets pas la pression non plus. Je suis là pour faire une patrouille, c'est tout. Si on peut choper... Salut, ici Holiday. Quelques enquêtes, c'est cool. Les analyses faites dans cette zone. J'envoie les détails à vos spectres. Très bien. Équipement analysé. Ah, par ici. On va prendre le véhicule. Ce sera plus rapide. C'est bien par là. Quelques personnes qui s'amusent dans les environs. Ça passe. Ok. Elle est pas mal, elle est pas mal. L'intérieur, là, ça va être un peu plus compliqué. On reprend nos marques un petit peu quand même. Faut récupérer visiblement. Les connecteurs de vaisseau déchu. Et à quelle distance le Jean-Jean là? Alors, il peut être à l'autre bout du monde, c'est pas une bonne idée. S'analyse. 100%. Très bien. Bon travail. Je préviens Holiday. Super. On a une autre petite quête à 50 mètres. Salut, ici Holiday. Salut. Je cherche des analyses de la zone.
d'équipement de l'âge d'or, vaisseaux, armes, ce genre de choses. J'envoie les détails. Ok. Fais donc. Passe par ici. Bonjour. Vous allez bien? Oh, salut. On est poursuivi par un allié. Ah, mais il a disparu, on est rentré dans l'instance ténébreuse. Ah, quoique, hein. Ah non, c'est un combat de faction. Ok. Récupérer ça. Bon, j'imagine que nous, ce qu'on veut, c'est des connecteurs de vaisseaux déchus. Super chargé, c'est très très bien. Amélioration débloquée, ok. Pas mal, pas mal. On va aller voir les déchus, si vous intéresse. Il y en avait un par là. Enchanté. Oh. Bonjour aussi. On y va pépouze, hein, tranquillement. Ah, j'ai loupé. Honte à moi. Pas mal. Alors, c'est par où? C'est par ici. Académie Ishtar. Carrefour d'Ishtar. Ah, par ici. Il a l'air de se battre. Au moins, ça pointe des armes. On récupère ça. Oula, du monde. Oh bah il y a d'autres gens là. Salut, niveau 40. Extraordinaire. Je vais en récupérer ici. En plaisir. Petite roquette au passage, c'est pas mal. Non, on va aller par là. Ah, c'est ce vaisseau là qu'il faut analyser. Ah oui. Ah oui, virgule, c'est grand. Amélioration débloquée pour le casque. Une autre roquette ici, c'est très bien, on est très content. Oui, ici. Ça passe. Tir relevé.
Et ça nous met bien. Ok, on y va. Super. Bon, du coup, cette... quête, là. C'est la quête pourquoi ? Contre les ténèbres. C'est ça. Connecteur, on a 28 sur 100. On les récupère comment ? Patrouille sur Vénus, récupérer des connecteurs. Sur des vandales. Bon, faut trouver des vandales, quoi. C'est eux qui m'intéressent, ça va. Il y a moi. Bonjour. Bon, je me suis peut-être mis au mauvais endroit. Mauvais endroit au mauvais moment. L'intention était louable. Hein, mais... La roquette. Qu'est-ce que c'est que ça ? La fleur spirituelle. Très bien. C'est pris. Bon, ça pue pioute, hein. Genre, il était trop loin. L'hallucination est complète. Où est-ce qu'il y a une autre 120. Ah là, il y a un truc, 70. Ah ouais, bien joué. Où est-il, 30. On le veut. On dit oui. La nouvelle monarchie serait très curieuse de récupérer certains des équipements disséminés dans cette zone. Des casse-noyaux. Des noyaux énergétiques à récupérer. C'est par où ? Où sont les noyaux ? Il faut tuer des gens, c'est ça ? Oh, les noyaux énergétiques. Allez, voir. Est-ce que vous avez un noyau énergétique, s'il vous plaît ? Oh ! Il a explosé. Est-ce que c'est un noyau énergétique ? Pas du tout. Il y en a plein partout. C'est ça les noyaux énergétiques ? Ah non. Incroyable. Ah bah non, c'est ça les noyaux. D'accord, il faut très bien. Je sais plus faire les phrases. Il faut bel et bien tuer des gens pour des noyaux énergétiques. Compliqué. Oh oh. Deux fois plus de raisons de buter du déchu. Ah, c'est pas mal ça. Petit collecteur. C'est ce qu'on veut. Petit spawn kill. Je préviens la nouvelle monarchie. C'est pas mal ce petit spawn kill là. Il loot pas grand chose par contre. Hein. On a envie d'y croire. Ok. Ah, du gros. Ok.
On s'en sort, on s'en sort. Il était un peu embêtant, lui. Ah! C'est un problème. Bon, on en est à combien, là? C'est pas ça que je voulais faire. On en est à... Oh. On n'a pas beaucoup avancé, en vrai. 36 seulement. Donc on allait faire d'autres... d'autres patrouilles. J'ai l'impression que tout le spawn kill qu'on a fait nous a rien donné. Donc on est obligé de faire des patrouilles. J'ai besoin de vos yeux et de vos oreilles. Votre spectre vous donnera les détails. D'accord. Par là-bas. Mais du coup, c'est un peu dommage quand même, parce que s'il y a des patrouilles qui nous disent comme là de nous éloigner du champ de bataille, on a moins de chances de tomber sur les ennemis qui nous intéressent. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment dans le contexte de patrouille pour qu'ils lâchent les bons drops. On va faire avec, hein. Genre, ça aura rien fait. Ah, ça nous redrop les bons trucs. Bonjour. Après, heureusement, on les récupère par paquet de 4. C'est quand même sympa. Ah oui, ça que sur des vandales, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on avait rien eu. On a rien sur du rebut. Bon, on s'en est chopé quelques-uns en plus, c'est cool. Comme quoi, ça va quand même nous prendre tout un épisode de faire ces patrouilles pour choper les connecteurs. Comme si c'était une vraie mission. On cartographie. Beau travail. Je préviens Ikora. Super. Bon, on va voir. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sous patrouille? Non, c'est juste que c'est des vandales qu'il faut qu'on abatte. Pas besoin de faire des patrouilles en particulier. Donc on trouve du vandal et c'est bon. Oh. Après, si on peut joindre l'utile à l'agréable... La nouvelle monarchie est prête à racheter tout équipement que vous trouverez. Nous voulons étudier nos ennemis. Ok. Fouiller les vandales déchus. On va décidément, c'est vraiment du vandal qu'on veut à tout prix, tout le temps. Je pense que ça va pas respawner tout de suite. Ah, petite roquette. Ah, mais on est à fond. Très bien. Je le vis bien. Du rebut. Peut-être du vandal dedans aussi. Si on fait l'aller-retour entre les deux trucs, les deux petits points qu'on a eu, ça devrait être pas mal. Super. Belle récolte. Un petit truc par là. Et visiblement non.
Ah, c'est là où il y avait le truc à étudier. Est-ce qu'ils ont respawn de l'autre côté? C'est pas forcément super enjaillant de faire ça comme ça, mais bon. Ça nous permet d'avoir ce qu'il nous faut. Pourquoi pas? Oui, ça respawn. Heureusement, le respawn est véloce. Ok. Retourner de l'autre côté, on est 44% de la patrouille, et à côté de ça, on avance petit à petit sur le compteur de notre quête principale. Ça respawn là-bas. La vieille quête de farm. Quelqu'un s'est enjaillé derrière nous. Hein. Ah! Quand on ferme trop un endroit, j'ai l'impression que c'est ce qui fait venir les trucs corrompus. Je vois. C'est leur truc anti-farm. Si vous faites des trucs anti-farm, vous pouvez nous donner des quêtes de farm, simplement. C'est le meilleur anti-farm que vous puissiez avoir. À moins que ce soit aléatoire. Oh, par contre, il faut pas qu'il atomise mes vandales. Laissez mes vandales. Les vandales vont-ils bien? Faut que je les abatte moi-même. Ça fait tellement mal. Bon, ça suffit. Où est-il? Non, ça vient faire. Cette mission sur Vénus commence à bien faire. J'ai pris cher. Et je vis bien. C'est devenu un calvaire hein, depuis qu'ils ont spawné. Ah, ça n'arrête pas. Allons à l'autre point là-bas. Ouais, 67%. Ah! Pas lui. Pas comme ça. Il est relou, lui. On le déteste tous. Ah mais lui, il a déjà nettoyé ce camp-là. Ah, ça craint. Donc on avait trouvé du rebut ailleurs. Ça commence à craindre sérieusement. Prenons ça, cassons-nous. Comme ça on va pouvoir voir aussi rapidement où est-ce qu'on en est dans la quête. Ah, on a bien augmenté hein. 88. On va aussi terminer ça et ça. Niveau 22 atteint. Alors par contre j'espère que je vais pas vers une zone où il y a que du Vex. Bon, apparemment si. Mais il y a un event. Bon, je suppose que c'est important.
Tu poses bien, mon gars. Salut. Parce qu'on est là, hein. Autant aider quelqu'un dans le besoin. Ah, peut-être pas tant dans le besoin que ça, mais... En principe, en tout cas. Bibou. Très bien, on dit bien. C'est du feu couvert, hein, bien entendu. Pour se protéger les uns les autres. C'est quoi, c'est quelqu'un ranimé, ça? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Ah non, c'est mon pote. Ah, ça y est, je peux le ranimer. Ah non, j'ai loupé. Je comprends pas. J'ai trop proche ou trop loin? Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, on s'en sort plutôt pas mal. Aïe. Ah, c'est grand ça. Genre il a récupéré de la vie lui. Genre il a le droit. Voilà. A plus. Ah. On réapparaît, pas de soucis. La douleur est là. Oh, une petite fleur. Nous avons presque tous battu. Bravo. La prochaine fois. Mais je peux pas le ramener du coup. C'est le bordel. On prend pas tout, hein. Il est résistant. Pourquoi il est résistant? Parce qu'on a loupé. Bah, j'essaie. Oui, voilà. Ah, c'est loupé, c'est fini. J'ai rien compris, mais c'était très bien. Oh non, mais eux, ils commencent à spawner partout, c'est cataclysmique, hein. Et tout ça, ça nous a pas permis d'avoir nos catalyseurs machin. Est-ce qu'ils sont partis de l'autre endroit de mort, là? C'est la pire quête qu'on a fait depuis qu'on a commencé le jeu. J'espère que vous en avez confiance. Et je dis bien conscience, c'est pas confiance. Alors les patrouilles, c'est sympa, mais bon voilà, on passe 5 minutes quoi. Et la quête qui nous oblige à choper 100 ressources de patrouille de machin là, oh là là, pure folie. Ah, ça a l'air d'être de nouveau bien. Super. On nous laisse au moins farmer si on nous donne des quêtes de farm. C'est ce que je veux dire. Pas mal ça, c'est bien. On est content, on est content. C'est très bien. C'est à 89%. Ça approche de la vérité. Il aura fallu quand même une trentaine de minutes. Oh là là. Bon après c'est vrai que l'event, j'étais pas obligé de le faire. Et que j'ai mis du temps aussi à comprendre... comment les choses fonctionnaient dans ce bas monde. Ah, c'est bon. La quête de la maison des loups, c'est fait. On
Maintenant j'ai un vieux 89% là, bien entendu que je vais essayer de le monter à 100. Ça va de soi. Et voilà. Bon. On peut partir maintenant. Oh là là. On les aura eu leur petit cadeau là, leur petit catalyseur, je sais plus quoi déjà. Ça pour choper les trucs de vaisseau de déchu. Bon. Ajoute un troisième bond au double saut. Ça devient un triple saut alors. Ah mais il faut choisir. Soit on améliore la maniabilité, soit on se donne un triple saut. On va se donner un triple saut. Ça me semble cool. Ici on a tir parfait. Ça augmente un peu la stabilité et ça baisse un peu le temps de recharge. Mais moins que là. Prends lui quand même parce que c'est le dernier. Augmentation des dégâts, oui. On veut. Ah mais attendez, il y a un truc là. Détail des matériaux. Ah, ok. Là on a plein de trucs. On a un 112 là. C'est un fusil à pompe. C'est un peu pont. On n'en veut pas. On se fait de la thune. Ici, deuxième chance. Lorsque ça rate, une mission peut être ajoutée. C'est cool. Un lance-roquette un peu plus efficace. Va pour ça. Ici. Délai de récupération des attaques de mêlée. Améliorer la défense. On a eu pas mal d'équipements. Donc ouais, ça vaut le coup si on s'embêtait pas tellement en les faisant. Je suis méchant. Je suis méchant, c'est sympa en vrai leur petite patrouille. Juste que c'est clairement pas le truc que j'ai envie de faire dans ma campagne principale quoi. J'ai envie de suivre une histoire. Si le jeu, là on est plus dans un espèce d'MMO déguisé. Enfin, pas si déguisé que ça. 110. On va les enlever. Mais n'empêche qu'il y a une trame principale. Ah, il y avait un truc que j'avais pas fait. Ah voilà. Passer le curseur dessus, comme ça, il est content.